prends le tempo d'abord. Vous tapez des mains, faites-vous plaisir, la séance continue. Amusez-vous. C'est vendredi, demain c'est week-end. Du plein d'émotions, de joie, de rire, de musique, de rythme, avec les enfants qui sont très réceptifs et ça fait vraiment super de bien. Quoi. On ne peut pas jouer, là on a l'impression de venir de servir à quelque chose. Ça fait du bien. Ce qui nous tient à cœur, c'est de jouer notre rôle de transmetteur et comme on est musicien, ça passe par les chansons qu'on connaît, différentes techniques qu'on peut partager, le sens qu'on met dans les chansons. Donc, on est à la fois musicien, on est à la fois parents nous-mêmes, on est aussi citoyen, il se trouve. Et donc, du coup, c'est la situation parfaite pour exercer notre savoir-faire et le partager finalement avec des enfants qui sont notre avenir. On le sait, c'est une évidence. C'est des chansons qu'on pratique depuis quelques années. Après, le choix a été fait collectivement. Se dire, c'est des chansons aussi, c'est essayer d'aller chercher des chansons qui viennent un peu de tous les pays du monde pour. Qui mettent en valeur aussi un département comme la Seine-Saint-Denis, où c'est tous les pays du monde qui sont présents sur ce département-là. Et du coup, on essaie de faire avec la musique, de faire en sorte qu'il y ait ce lien-là. Je crois que ça fonctionne assez bien. Après, les enfants, ils font du bien. Je crois que plus ils ne se rendent pas compte à quel point ils nous font du bien, plus qu'on leur en fait, ou je sais pas. Il y a un vrai équilibre qui se crée là. Ça apporte à mes élèves déjà une plus grande ouverture d'esprit, une plus grande ouverture musicale. On habite dans un département qui est très cosmopolite, en fait, où on a beaucoup de nationalités, donc beaucoup de langues parlées. Au travers de la musique, je pense qu'on peut apprendre à plus aller vers l'autre et plus le respecter. Notamment, on apprend une chanson en kabyle. J'ai des élèves kabyles dans la classe. Donc du coup, ils se sont sentis beaucoup plus valorisés parce qu'ils comprenaient les paroles et ils savaient mieux traduire que même l'interprète qui est venu nous apprendre la chanson. Donc j'ai senti une vraie fierté pour eux et ça fait plaisir. Peut-être que dans cette classe, je trouve le futur maître Gims ou Aya Nakamura, qui sait. Donc pourquoi pas donner le goût des arts à travers ce projet et notamment de la musique. Voilà, comme ça. Tous les enfants de ma cité et même d'ailleurs, et tout ce que la colère a fait de meilleur, des faces de stalagmites et des jolies filles, des têtes d'acmés, un mot, la famille, sont là. Les enfants de mon quartier et même d'ailleurs, et tout ce que le béton a fait de meilleur, et qui voulait pas payer la traite de bail, c'est trop cher. On t'envahit la scène, on t'envahit la salle, et y'a là des bandits qui ont des têtes de cailloux. Et que surgissent de la scène des volcans, tombez là.